Nous sommes à Tequila. Donc on voit Faustino en train de vendre des gélatines. C'est un micro-entrepreneur qu'on a rencontré. Donc il tient son petit commerce de gélatines, il les fabrique le matin. Et puis ensuite, il les vend sur son tricycle l'après-midi. Il y a également deux autres vendeurs pour l'aider à écouler sa production. Son fils après l'école, et puis un autre vendeur qu'il emploie. Et dans la petite ville de Tequila de 30 000 habitants environ, il arrive à en écouler quand même en moyenne 750 par jour. Là, c'est le signal traditionnel pour les vendeurs ambulants de gélatine. Un klaxon à la main. Et donc, en fait, en discutant avec lui, on lui a demandé pourquoi il n'avait pas, puisque son entreprise marche très bien, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas ouvert un magasin en ville. Et en fait, il nous a expliqué que les Mexicains vivent plutôt dans la rue. Elles préfèrent acheter en sortant de chez eux comme ça, donc il faut venir à leur porte. Donc c'est pour ça que la seule façon, c'est de le faire avec le tricycle. Voilà, le jeu d'activité.